Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'accueillir Nassima Wargi de Coach Influent. Alors, Nassima, elle a organisé beaucoup de sommets, euh, elle a aussi une grande passion pour les coachs, euh, pour les aider à développer leur business. Donc, euh, bah, si vous êtes coach vous-même, euh, comme d'habitude, vous allez apprécier cette session. Et Nassima, l'idée, c'est de faire ta connaissance, savoir comment tu t'es lancé, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui et de pouvoir euh, bah, avoir un peu euh, une, une synthèse de tes meilleurs conseils pour aider les, les coachs qui nous suivent. Donc, déjà, Nassima, bienvenue. Et puis, euh, dis-nous qu'est-ce que tu fais aujourd'hui avant qu'on rentre dans euh, comment tu en es arrivé là où tu en es aujourd'hui. Génial. Bah, merci, Lingen, de me recevoir. Je suis ravie. Je suis toujours ravie de prendre la parole, même si ce n'est pas quelque chose de, de naturel ou, euh, ou d'instinctif chez moi, mais c'est quelque chose que je cultive beaucoup aujourd'hui. Donc, Nassima, la fondatrice de Coach Influent, tu l'as dit, du sommet des Coachs Influents, aussi des confidences de Coachs Influents auxquelles tu as participé. Donc, ce sont mes événements virtuels. Et aujourd'hui, ce que je fais, c'est que j'aide les entrepreneurs, mais surtout les coachs, tu l'as dit, les thérapeutes, les formateurs, à construire une audience en ligne et surtout à aller la monétiser. Ok, génial, génial. Et euh... J'ai envie de dire, qu'est-ce qui te caractérise Parce que je sens en toi euh, une, euh, vraiment ce mélange qu'on retrouve rarement chez euh, certaines personnes. C'est ce côté, euh, on voit que tu es ambitieuse, tu es déterre, et en même temps, on sent que tu es quelqu'un de humble de posé, qui sait aussi euh, prendre soin de sa famille euh, et de soi-même. Est-ce que tu veux nous dire un peu euh, euh, ce qui te caractérise que, À quoi tu penses quand je te dis ça euh, Ouais, je suis juste que Comment tu en es okay. arrivé là Pourquoi tu es comme ça, en gros Pourquoi je suis comme ça Je ouais, pense qu'on est comme que, on est, mais. Ouais. Yeah. Parce que tu Dis le vois peut-être pour le contexte, pardon. Parce que tu vois, en gros, il y a beaucoup de gens qui sont dans le dev perso et, et je, je stéréotype, qui hein. sont dans le dev perso et qui arrivent pas à développer leur vie pro. Et il y en a qui sont là que pour gagner de l'argent et qui sont pas du tout épanouis. Et je vois en toi vraiment ce côté où tu arrives à, à aller les deux et ça m'intéresse. Génial, bah merci pour la question et merci ouais. pour euh, ta vision euh, de moi. C'est toujours intéressant de, de savoir comment les autres nous perçoivent. Donc, ah. euh, merci pour ta description, je me suis assez reconnue là-dedans. Ah. Donc, je vais dire quand même pour me décrire que je suis assez terre à terre, euh, je ne suis pas du tout perché, mais euh, c'est vrai que pour moi, euh, prendre soin de soi, prendre soin des autres aussi, ça commence par prendre soin de soi, c'est hyper important. Et. Euh, et je pense que la phase où moi, je me suis beaucoup intéressée au développement personnel, c'était à un moment de ma vie où euh, j'avais été licenciée de mon job, j'étais en train de me séparer du père de mes enfants euh, à la veille de mes 40 ans, tu vois. Donc, euh, je pense que l'âge faisant plus euh, ce que je traversais à ce moment-là, bah, ça amène aussi, parce que j'avais du temps, puisque je rentrais dans une période de, so de chômage, à se dire « prendre du temps » et Regarde ce que tu as vraiment envie de faire et prends soin de toi. C'est là que je me suis mise à, à démarrer euh, la course à pied, à faire des marathons et tout ça, à euh, découvrir des plateformes comme MindValley que j'adore en termes de développement personnel. Et cette envie aussi vraiment d'entreprendre, euh, elle est vraiment née pendant cette période-là de questionnement. Donc, euh, comment je me décrirais bah, Comme quelqu'un de très accessible, très abordable. Moi, j'adore euh, le contact humain. Euh, je. Et, et, en même temps, tu vois, il y a ce côté, voilà, j'ai envie d'être professionnelle, mais en même temps, voilà, c'est, ma façon d'être. Je suis, euh, voilà, je suis très accessible, très abordable. Je tutoie ah. mon audience. Je ah. me t'ai posé la question quand même à un moment donné quand je me suis lancée. Et puis, en fait, je me suis, je me suis dit, bah, juste écoute-toi dans la vie de tous les jours. Est-ce que tu te tutoies facilement? Ben bah, oui, je tutoie. Et maintenant, à force de tutoyer mon audience, je me retrouve des fois en situation réelle à tutoyer <laughs> des gens qui le connaissent pas. Et c'est ah. assez marrant de voir. Ça réagit, mais finalement, ça choque personne, et, et voilà. Donc, euh, j'ai envie cool, de, cool. de montrer ça. Merci pour ce partage. Et du coup, c'est quoi le côté ambitieux? Est-ce que tu es, euh, as envie d'être millionnaire, tu as envie d'avoir une grande maison, toucher des millions de personnes, et c'est pas péjoratif hein, quand je dis ça. Mais comment toi, tu te situes? Tu es quelqu'un d'ambitieux ou pas? Et si oui, euh, c'est quoi pour toi l'ambition? Ouais, il y, y a franchement ce mot d'ambition. Euh... Pour moi, il a un sens très noble. C'est-à-dire qu'il euh, ne faut pas manquer d'ambition pour rêver grand et pour faire euh, ce qu'on a envie d'accomplir sur Terre. Et il y a vraiment cette notion d'héritage aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, j'ai appris à me détacher vraiment de, de mon business. Alors qu'au début, et on en parlera certainement, mais le, le démarrage de euh, mon activité d'entrepreneur, d'indépendante, ça a été une période assez difficile pour moi parce que tout d'un coup, je me suis retrouvée un peu à nu et de me dire, ben bah, là... Ok, tu as travaillé pour des grands groupes. Euh, ben là, tu es toute seule, en fait. Donc, aujourd'hui, j'ai vraiment réussi à me détacher de ça. Et mon ambition, elle est nourrie vraiment par l'impact que je veux créer. Donc, oui, je suis ambitieuse. Après, euh, ça ne se chiffre pas euh, forcément en millions, bien que sur mon vision board, j'ai mis quand même un ah, chiffre, <rire> euh, <rire> un objectif de chiffre d'affaires. Mais ça, c'est vraiment quelque chose de, que, que, malheureusement, je vois très souvent chez, chez les entrepreneurs, en tout cas dans mon audience, Lingen. Tu me confirmeras si c'est le cas. Mais il y a beaucoup d'entrepreneurs, en fait, qui. Quand tu leur demandes combien tu veux faire par mois ou combien tu veux faire par an, ils ne savent pas en fait. Mmh. Et je trouve que c'est la base parce que si, c'est un peu ta boussole, quoi. C'est-à-dire que ça peut être un chiffre d'affaires, ça peut être un nombre de personnes à aider, ça peut être, voilà, ça peut être quantitatif, ça peut être qualitatif, ça peut être comme tu l'as dit, bah, m'acheter une belle maison en bord de mer ou je ne sais pas, enfin euh, peu importe là où vous mmh. vous trouvez. Mais voilà, ça c'est un critère et ça met, je trouve, en action derrière ou en tout cas, ça va indiquer le niveau d'énergie, le niveau d'action que tu as envie d'entreprendre dans ton business. Il y a des personnes qui savent qu'elles veulent travailler qu'à mi-temps et qui ne courent pas justement ni après euh, les centaines de milliers d'euros, ni après euh, le million, et c'est OK. Mais voilà, je trouve que l'ambition, c'est à nous de mettre le curseur, mais c'est un très joli mot, et je trouve que voilà, c'est un, un moteur. Donc oui, je suis ambitieuse, et, euh, et chaque, euh, chaque année dans mon business, quand même assez récent, puisque je me suis lancée, euh, on va dire... Fin 2022, euh, bah, chaque année, j'ai envie de faire plus, en fait, j'ai envie de faire plus parce que bah, déjà, ça part de soi, je l'ai dit tout à l'heure. Hein, et et moi, pour moi, le mot égoïste, c'est un mot qui est noble aussi. C'est-à-dire qu'il faut savoir être égoïste. Au début, quand je me suis lancée dans le business, c'était vraiment égoïste dans le sens où ma motivation première, c'était, voilà, je veux travailler d'où je veux, avec des personnes que je choisis, euh, avec des clients que je choisis. Euh, j'ai envie de pouvoir aller chercher mes enfants à l'école si j'ai envie. Euh, surtout que, bah, je l'ai dit tout à l'heure, je me séparais. Donc aujourd'hui, je les ai en garde alternée. Donc ça part vraiment de ça, de je veux de la flexibilité, de la souplesse dans ma vie. J'ai envie de prendre soin de moi, j'ai envie de gagner de l'argent sans dépendre de personne, sans avoir à remplir une feuille de congé si j'ai envie de prendre une semaine <laughs> de congé ou ne serait-ce qu'un week-end. Donc vraiment, cette, ce, cette soif de liberté, pour moi vraiment pour moi et aussi pour ma famille pour être là pour mes enfants etc et ça c'est égoïste à la base quand tu penses mais c'est un moteur et quel que soit ton moteur de pourquoi tu fais ce que tu fais bah, il est noble il est noble ouais. parce que c'est le tien et donc ouais. euh... et donc voilà donc euh, je sais plus quelle était ta question mais non non mais c'est super intéressant et je peux voilà je suis tout à fait d'accord avec toi de toute façon euh ça marche pas, on peut essayer d'être, même quand on veut que être altruiste, en fait, tu cherches à répondre à un besoin de contribution, donc au final, tu le fais aussi pour toi et je pense qu'il vaut mieux avoir un discours honnête et pas faire semblant et parce que c'est ça qui t'amène justement à apporter plus de valeur et à, à, à faire à plus aider tes clients en tout cas voilà moi j'étais invité à, à tes confidences euh, euh, aussi euh, je vois comment tu apportes de la valeur comment tu tu crées des connexions et ouais franchement c'est hyper inspirant euh, est-ce que tu veux nous parler de ton euh, du coup ta vie professionnelle comment ça a démarré ou même plus loin si tu veux aller plus loin mais qu'on comprenne comment tu es devenu euh, euh, ce, cette coach, cette formatrice que tu es aujourd'hui, comment c'est arrivé okay. Alors déjà, je vais commencer par dire un truc. Je me suis collée enfin, je me suis l'étiquette de coach quand même assez tardivement parce que mes clientes me l'ont collé. Ok, donc à la base je prétendais pas du tout être coach ou j'avais pas forcément envie de me coller cette étiquette-là, mais je l'ai assumée après et ça ça fait partie aussi je pense de la posture qu'on qu peut prendre dans notre business. Donc aujourd'hui au départ j'étais euh, consultante en lancement, ça m'allait bien le mot consultant. Euh, donc pour revenir un peu à ce que j'ai fait euh, avant de me lancer dans le coach influent. Euh, donc, euh, j'ai fait des études de langue étrangère, j'adore le côté international, j'adore les voyages, etc. J'ai aussi une grande passion pour le marketing. Donc, euh, quand j'ai fait une licence euh, LEA, du coup, langue étrangère appliquée, j'ai découvert le marketing et ça m'a vraiment euh, donné envie. Donc, j'ai fait une école de commerce. Euh, j'ai travaillé euh, d'abord pour la presse quotidienne régionale. Puis euh, pour le groupe RTL, parce que la presse quotidienne régionale, il y a Régional dedans et ça m'enfermait trop. Je te disais tout à l'heure que moi, j'aimais le monde. Je voulais mmh. voyager, je voulais mmh. pratiquer l'anglais, etc. Donc très vite, je me suis sentie trop à l'étroit. Et, et donc, je suis partie à Paris. Alors, à la base, j'habite euh, près de Marseille, je suis née à Marignane. Et, euh, et donc, je me suis retrouvée à aller vivre à, à Paris et à travailler pour un grand groupe international que le groupe RTL pour la régie publicitaire internationale. Euh, ensuite, j'ai bossé chez l'annonceur chez Rolex, en Suisse, au service média sponsoring, donc c'était génial. Bon, après, je te passe l'histoire, mais je suis revenue dans le Sud, j'ai travaillé dans l'événementiel, dans l'yachting, euh, dans la joaillerie, euh, voilà, mais toujours dans des fonctions, on va dire, de euh, euh, développement commercial et marketing, okay, ok Et de là, donc, mon dernier poste, ben, je me fais licencier, licenciement économique, on est. Euh, je crois je me rappelle plus les dates mais je crois qu'on est en 2000, je sais plus 2018 ouais fin 2018 c'est ça Fin 2018 donc euh, j'ai vraiment pris du temps pour moi et, et cette phase là elle a été importante pour la suite et c'est là que je me suis dit bah, j'ai envie de créer un business alors c'est très drôle j'en ai très peu parlé mais mon, mon, ma première idée de, de, de business à ce moment là euh, c'était euh, avec une amie et on, on a voulu créer une marque qui s'appelle Julio. Donc, pour créer des cures de jus euh, pour euh, les personnes qui veulent aller mieux dans leur corps. Donc, c'était quand même assez lié à, à, à ma pratique du sport à ce moment-là, à un équilibre de vie, etc. Bon, finalement, euh, voilà, ça m'a occupé, ça m'a aidé. ça m'a voilà, montré aussi comment démarrer une idée de zéro. Mais clairement, c'était encore pas mon truc. Le message que je veux passer derrière ça, Lingan, c'est que on peut euh, tâtonner, on peut se lancer sur des projets. Euh, les abandonner euh, aller jusqu'à un certain niveau et se dire bah non finalement c'est pas pour moi mais tout ça ça te construit en fait pour la suite mmh. et moi dans mon cas ça m'a construit euh, la première formation en ligne que j'avais achetée c'était celle d'Olivier Roland mmh. euh, à l'époque donc je sais plus trop les dates je suis nulle en date mais voilà en tout cas la première euh, la première formation que j'ai achetée je pense que c'était euh, c'était en 2018 aussi c'est c'est donc cette formation qui est blogueur pro et euh, J'en ai rien fait, tu vois, et bien, ça bien. aussi, c'est une question, je pense, de timing et, et, et de savoir à un moment donné si tu es mature ou pas. Donc, j'achète cette formation, j'investis quand même 2000 euros, je démarre et là, je me dis, ben bah, non, en fait, le blogging, c'est pas pour moi, j'ai pas envie d'écrire. Je pensais que j'avais cette appétence pour l'écriture et finalement, pas du tout. Mmh. Et euh, donc, voilà, donc c'est resté dans un tiroir après Jubio, etc. Et puis, euh... et puis un jour, une rencontre, grâce à Olivier Roland d'ailleurs, hein, parce qu'Olivier Roland. Il, euh, dans sa formation, il apprend à faire des lancements. C'est-à-dire que le blog n'est là que pour construire ta liste email et derrière faire un lancement. Et donc, grâce à lui, euh, j'ai découvert en fait Jeff Walker, qui est le père fondateur des lancements. Ok, donc on est quand même dans le marketing aussi. Et là, j'achète son livre, je me passionne pour pour la méthode des lancements, qui est beaucoup, qui agit beaucoup sur les leviers psychologiques, comme mmh. tu Sellingan, sais, mmh. parce que tu fais Land Land plein de formula. lancements aussi. Ouais, ouais. Voilà, lance que je dois avoir quelque part. Mais euh, voilà. Et donc là, je rejoins son mastermind et je me forme. Donc je rentre dans le mastermind, je me forme et sur l'année de mon mastermind, je décroche ma première cliente. OK Six mois après. Et son lancement, je l'ai vécu comme le mien, en fait, parce que moi, je n'avais pas de liste email à l'époque. Enfin, voilà, j'étais quand même dans ce mastermind qui était assez avancé, mais qui était peut-être trop avancé pour moi aussi. Mais là, pareil, c'est un investissement, tu vois, de 15 000 dollars que je fais en année zéro de mon business. Et, mmh. euh, et voilà, mais je ne le regrette pas du tout, mais je pense que c'était peut-être un peu trop avancé pour moi. Ouais. Mais j'ai quand même appliqué tout ce que j'ai appris pour ma cliente. Et donc, en fait, ça a été génial. Et, et là, je me suis c'était une manière aussi si on revient un petit peu sur, euh, sur euh, les freins qu'on peut avoir Lingan au début quand on se lance euh, et ça c'est ma spécificité à moi c'est que en fait ça m'arrangeait aussi de me cacher derrière le lancement de ma cliente parce que je pense mmh. que j'assumais pas encore je pense que j'avais pas envie que la lumière soit encore sur moi d'ailleurs euh, j'y repense c'est drôle mais des fois on oublie en fait mais quand euh, quand je signe pour ce mastermind ma sœur est photographe elle est photographe spécialisée pour les nouveau-nés et les femmes enceintes. Et en fait, j'achète cette formation en disant bah, écoute, on va on va on va appliquer ça dans ton business. Okay, parce que ma sœur avait déjà une grosse. Ah, ah. Ouais non, mais c'était vraiment ça. C'était ah. moi je vais être en souterrain. Euh, ah. Moi je, je me forme, je prends l'expertise etc. Et on met au service du business de ma sœur. À, à la base, c'était ça l'idée parce qu'elle elle avait déjà une communauté, elle avait déjà une expertise etc. Finalement, ça s'est pas fait parce que moi j'étais engagée, mais elle elle l'était moi. Donc, tu peux pas, en fait… Oui, parce que, que c'était gratuit. C'était gratuit. Bah, c'est ça. C'est que… Bah, c'est Encore une fois, c'est une question de maturité, comme je te disais tout à l'heure. En fait, je l'ai embarquée dans mon projet jusqu'à un certain point, mais elle n'était pas mature pour aller en ligne encore, OK mmh. et, et donc, c'est pas grave. Euh, c'est ma soeur, tu vois Donc, pas de conflit et euh, bah, j'étais encore pas prête pour le faire pour moi donc je trouve une cliente une coach comme j'aime dans, dans le développement personnel oui elle est quand même assez euh, spirituelle et donc je m'éclate avec elle aujourd'hui c'est une amie et, et voilà et son lancement a été le mien donc je l'ai vraiment vécu comme si c'était le mien j'ai mis toute mon énergie toute ma motivation et, euh, et voilà donc c'est un peu comme ça que j'ai démarré Coach Influent parce que un tout d'un coup est née l'envie d'entreprendre pour euh, cette cette notion de liberté dont j'ai parlé tout à l'heure. Deux, je voulais pas m'éloigner non plus de l'expertise que j'avais euh, avant et, et mon appétence pour le marketing, la vente, etc. Sachant quand même que je trouve que c'est très différent par rapport à ce que je faisais avant. Euh, déjà, mon réseau un ne me servait à rien. Ouais. <laughs> et deux, ce que j'avais fait dans le passé aussi, parce que je te parlais de développement commercial, mais clairement, ou, ou d'achat, sponsoring, enfin d'achat média euh, télé. Euh, clairement c'est pas toi qui cours après le client hein. quand tu bosses pour une marque comme Rolex c'est plutôt les gens qui courent après toi donc quand même très différent comme approche même si on va dire c'est un peu le même univers marketing vente mm. développement commercial publicité etc mais ouais donc j'ai vraiment eu l'impression de partir de, de zéro mais il y a vraiment un truc que je me suis dit Lingen à ce moment là c'est euh, voilà tu te lances dans ce projet mais tu te lances à fond, et il n'y a pas d'option B. Il n'y okay a pas d'option B, ça veut dire que je m'engageais pleinement sur ce projet-là, parce que je ne te l'ai pas dit, mais j'ai eu dans le passé la facilité de retourner dans le salariat, entre cette phase-là dont je te parle fin 2018 et mon envie d'entreprendre, du bio, etc. Forcément, euh, insécurité financière, insécurité tout court d'ailleurs, une proposition, bah, tu y vas. Ok, donc je suis retournée dans le salariat, ça n'a pas duré très longtemps heureusement, <laughs> mais ça a mm -hmm. duré quand même huit mois. Mais ça, encore une fois, c'est des étapes qui confortent après ton Bien choix ça. final et cette maturité qu'on a besoin d'acquérir. Et donc là, quand je me suis, quand, euh, quand euh, ce, ce job s'est arrêté, là je me suis dit, mais cette fois, plus jamais, jamais je retournerai dans un poste où tu sais d'avance en fait que c'est pas pour toi. Mais tu y vas bah parce que, parce que tu as besoin quand même de gagner ta vie, tu vois. Mmh. Et, euh, et voilà, et là, je, ça m'a reconforté dans l'idée dans de... Alors, je ne vais pas critiquer, mais si tu veux, quand tu n'es pas aligné aux personnes avec qui tu travailles au quotidien, c'est quand même difficile, surtout à l'âge que j'avais. J'avais plus 20 ans, tu vois, j'en avais 40. Non, ce n'était plus pour moi, quoi. Mmh. <laughs> j'avais vraiment envie de choisir. Euh, les gens avec qui j'allais m'entourer. J'ai accepté et, et... ce job parce que le directeur marketing était quelqu'un que j'adorais vraiment, qui était une belle personne, mais à partir du moment où il, a, il est parti, bah, je n'ai pas duré très longtemps. <laughs> Donc, Qu'est-ce qu qu qui fait que tu es parti à ton avis Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui restent pour, euh, voilà, bah, je suis euh, euh, maman euh, solo. Euh, euh, il y a le confort aussi du salarié, il y a plein d'avantages au salarié. Il y a aussi un statut, parce que tu vois, tu avais aussi un statut, tu travaillais quand même avec des grandes marques. Qu'est-ce qui fait que selon toi, il y a la plupart des gens gardent leur poste et ne quittent pas malgré leur envie Et toi, pourquoi tu es parti Alors, euh, moi, je suis parti vraiment à ce moment-là pour le côté humain. ok Donc, euh, je bossais dans le yachting euh, à ce moment-là. Et déjà, on m'avait vendu un poste de commercial, j'avais l'impression. Bon, c'était post-Covid, donc euh, clairement, euh, les clients, les plaisanciers, tout ça, c'est surtout des étrangers, en Antibes, hors d'Antibes, pour ne pas les hésiter. Euh, ben, les clients n'étaient pas là, tu vois, ils ne revoyageaient pas, etc. Et je me suis retrouvée dans un poste qui ne me correspondait pas, dans le sens où j'avais plutôt l'impression que c'était un poste. Euh, déjà, tu n'as aucune plus-value, en fait, sur la vente de, 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 de postes d'amarrage, puisque clairement. Donc, j'avais l'impression d'ajouter aucune plus-value à ce que je faisais. Ok, ouais. j'avais euh, l'impression de faire plus de l'administratif que de la vente. J'avais pas la relation client, donc ça m'a vraiment manqué. Donc déjà le job en lui-même me plaisait pas. Ok, le salaire me convenait pas non plus, j'avoue. Donc j'étais quand même retombée euh, bien en dessous de ce que j'avais l'habitude de gagner. Donc et en plus de ça, je te dis, je m'éclatais tant que mon boss était là et vraiment humainement, c'est quelqu'un euh, d'incroyable, vraiment. Et à partir du moment où il est parti, je ne pouvais plus rester, en fait. Je ne oui. pouvais plus rester dans le sens où… Euh, tu sais, je pense que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui vivent ça au quotidien. C'est « Mais qu'est-ce que je fous là, en fait ?» ouais. c est, c est, c est, Voilà, et c'est plus le ah côté ouais, humain, genre, finalement. Genre, en fait. genre, tu préfères déjeuner seul que d'aller sortir avec tes collègues juste parce que tu dois manger avec eux. C'était peut-être ça, quoi. Alors, ce n'était pas, pas noir ou blanc, C'est-à-dire qu'il y a deux personnes que j'adore et qui sont encore des amis aujourd'hui. Mais malgré tout, même si je les aimais humainement, ce pas des personnes qui allaient me faire grandir. Euh, ouais. dans... enfin, c'est sans prétention, hein, mais à un moment ouais. donné, tu, tu sais qu'il y a mieux qui t'attend ailleurs et tu, et ouais, tu ouais. sais que là, tu es en train de rétrograder. Donc, même ouais. si s'il y avait des personnes que j'appréciais, hein, donc je ne mangeais jamais seule, ce n'est pas vrai, je ne mangeais ouais. jamais seul devant mon ordi, il y a deux personnes que j'adorais, deux ouais. personnes que j'aimais moins et le management, je ne collais pas du tout. Donc, ça, c'est quand même important. Euh, okay. Ouais, en fait, je sens et en toi euh... vraiment ce, cette envie de grandir, de croire, de te développer. Ça a l'air d'être quelque chose de très important pour toi. Eh bien, je pense que tout ça, Lingen, c'est encore une fois la maturité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, mais, mais plus que jamais, hein, je fais très attention aux personnes qui m'entourent, à mon entourage. C'est-à-dire, tu vois, là, je t'ai parlé de deux personnes que j'aimais bien dans ce boulot et une vraiment que j'adore qui est une amie. Euh mais que je j'évite de voir parfois parce que en fait tu la vois pas pendant six mois elle va te répéter toujours la même chose et c'est quelqu'un qui va qui va qui est pas positive en fait ouais. et, et ouais. moi je ne peux pas à un certain moment donné même si je t'adore je je me préserve quand même donc je peux plus aujourd'hui m'entourer de personnes qui vont toujours se plaindre d'une situation qui ne change pas parce qu'à un moment donné on est quand même tous responsables de sa vie euh, ok donc il y a toujours des leviers pour agir <laughs> Et donc aujourd'hui, effectivement, je, voilà, je, je vais me former aux États-Unis. Ce n'est pas pour rien aussi, c'est parce qu'en termes de, de marketing euh, digital, le business en ligne ils sont beaucoup plus avancés que nous. Je suis dans des communautés d'entrepreneurs <coughs> et, euh, et mentorée par des personnes qui font euh, des dizaines, peut-être même des centaines de millions par an. Et tout ça, ça, ça t'aide à avoir plus grand, tu vois. Et moi, j'ai mmh. besoin de, des personnes qui ont les... Alors, pas forcément les mêmes ambitions que moi mais en tout cas des personnes qui veulent progresser qui veulent avancer et qui sont pas défaitistes ou fatalistes donc c'est vrai qu'aujourd'hui je voilà je, je fais très attention à qui je donne mon temps avec qui je passe mon temps ouais. et, euh, et ça m'empêche pas tu vois voilà de d'aimer ma famille d'aimer certaines personnes mais je vais pas les voir tous les week-ends c'est clair c'est ouais, ouais. super intéressant et comment tu en es arrivé du coup à aujourd'hui alors je comprends bien, tu accompagnes les coachs, mais tu accompagnes aussi plus largement que les coachs sur le lancement de sommets virtuels, c'est ça Alors, aujourd'hui, mon offre signature, euh, Lingen, c'est vraiment venu ça, mais ça, c'est encore une fois, c'est les surprises de la vie, c'est de faire confiance au process. Comme ouais. je disais tout à l'heure, j'ai lancé un projet, on a bossé dessus pendant des mois, et puis finalement, on s'est rendu compte que, que non, ce n'était pas ça qu'on voulait faire, et l'une et l'autre. Parce qu'à ce moment-là, j'avais une associée. <laughs> en fait, l'idée, c'est de se dire, je démarre. Je pense que c'est quelque chose que tu dois, à mon avis, Lingen, euh, prôner euh, au mmh. quotidien, c'est soyez dans l'action. Soyez dans l'action, quitte à se tromper, quitte à, quitte, à, voilà, quitte à faire des conneries, quoi. Mais être dans l'action. Donc, j'ai démarré quelque part. Euh, donc, je voulais enseigner exactement ce que j'apprenais, donc les lancements. OK Et... À un moment donné, alors là où je te disais tout à l'heure, euh, je pense que le mastermind était trop avancé pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée dans ce mastermind, j'avais zéro audience, zéro email, j'ai voilà, j'étais rien quoi. Enfin, j'étais rien. Je, je n'avais aucune visibilité. On va on va reprendre les termes sans importants. Ouais. <laughs> donc, ouais. je n'avais aucun asset dans mon business précisément. Ok, euh, donc j'avais aucun asset dans mon business. C'est-à-dire que je démarrais from the scratch. Tu vois, de vraiment de rien quoi. Euh, et, euh, et donc, du coup, bah, de là, je me dis, bah, il faut se montrer en fait, il faut, que, il faut que je sois visible, donc il faut que je sois visible bah, sur les réseaux sociaux, parce que forcément la visibilité aujourd'hui, elle existe euh, grâce à la création de contenu, et surtout sur les réseaux sociaux. Et donc ça, pour moi, ça a été très difficile, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure. Que j'aimais bien me cacher derrière les autres quand même. <laughs> mais aujourd'hui, j'ai pris cette place. Tu vois, j'ai pris cette place, mais je l'ai prise aussi d'une manière quand même assez spéciale, Lingan, avec les sommets virtuels. C'est-à-dire que quand j'organise des sommets virtuels, je ne suis pas la seule qui monte sur scène et la lumière, elle n'est pas que sur moi. Et en fait, mmh. ça me va très bien aujourd'hui. Je pense que j'ai trouvé ma zone de génie. C'est-à-dire que j'ai… autant je te disais tout à l'heure, euh, ça me saoulait de travailler avec des personnes qui ne me correspondaient pas, autant la réalité, c'est que j'aime pas bosser seule non plus. Donc, je ouais. me suis retrouvée quand même à des phases où, putain, un solopreneur, tu là, tu es seul, quoi. Tu es seul ouais. dans ta tête déjà, avec tes doutes, tes peurs, des trucs que j'avais jamais connus avant. Parce ouais. que quand tu es dans le salariat, il y a quand même ce confort aussi de pas trop te poser de questions sur toi-même, quoi. Tu représentes une marque, une structure, tu es dans une organisation. Donc, c'était bien, tu vois, pour se masquer aussi. Et ouais. là, tu es seul dans ta tête, mais tu es seul aussi physiquement. Donc, tu bosses seul. Et, euh, et les sommets, pour moi, ça a été vraiment une révélation dans ce sens où... Ok, maintenant je veux la prendre la lumière, mais j'aime la partager aussi. Et, et moi, quand j'organise euh, voilà, mes sommets et tu as participé aux confidences de coaching plant, tu l'as dit tout à l'heure, c'est j'amène des personnes qui ont aussi à leur tour plein de choses à partager. Moi, je ne prétends pas tout savoir. Moi, j'ai envie d'aider les entrepreneurs à 360 degrés. Donc, naturellement, pour revenir à ta question, naturellement et sans l'avoir décidé, et c'est pour ça que c'est bien aussi. Tous les entrepreneurs qui nous écoutent, écoutent laissez-vous aussi porter par le flot. Mais faites des choses, faites des actions, parce que ces actions, à un moment donné, elles vont vous emmener dans la bonne direction. Même si des fois, tu as l'impression d'être perdu, de ne pas savoir où tu en es, bah, fais confiance au process, fais confiance à la vie, fais confiance au flot. Donc, je fais un premier sommet virtuel. À ce moment-là, tu te doutes bien, euh, je pensais pas du tout, <laughs> mais du tout, que j'allais me retrouver à… Accompagner des entrepreneurs à créer leur propre sommet virtuel. Donc aujourd'hui, c'est vraiment mon off signature. Ouais. Quand je te disais tout à l'heure, j'aide les entrepreneurs et surtout les coachs à construire et à monétiser leur audience, je ne l'ai pas précisé, mais c'est grâce à un levier et un seul levier qui est pour moi le plus puissant, c'est les sommets virtuels. Et, et, et c'est venu à moi, en fait. C'est-à-dire que mes clientes m'ont vu faire mon premier sommet, mon deuxième sommet, et là, elles m'ont dit Mais waouh, mais nous aussi, en fait, on a envie de faire ça. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, pour moi, ça a été game changer dans mon business. Et d'ailleurs, tu vois, quand je me suis formée, la première chose qu'on te dit, enfin, la première chose, non, mais une des choses, en tout cas, qui est beaucoup ressortie, c'est euh, partage euh, ta success story à toi. Qu'est-ce qui... Euh, qu qui euh, quelle expertise, toi, tu maîtrises, OK, qui a été un changement radical dans ta vie Alors, moi, je parle dans le business, parce que je suis coach du business, mais dans ta vie, je ne sais pas, quelqu'un qui a perdu 30 kilos, ben moi j'ai réussi grâce à ma méthode et j'ai envie de l'enseigner aux autres. Et là pour moi, ça y est, c'était enfin, tu vois, la lumière qui s'allumait. C'est, mais oui en fait, mon premier succès, mon premier euh, ouais succès euh, entrepreneurial, ce qui a vraiment changé le tournant de mon entreprise en termes de visibilité, en termes de chiffre d'affaires, ça a été mon premier sommet virtuel et là j'ai vraiment eu un aha moment. Et là je me suis dit, mais oui en fait. Pourquoi est-ce que je n'enseignerais pas ça tout en gardant ma spécialité qui est les lancements, mais le lancement via un sommet virtuel mmh. Est-ce que, voilà. est que tu veux bien euh, nous décortiquer un peu c'est quoi un sommet virtuel et comment ça peut aider un coach à développer son business Parce que moi, moi aussi, c'est quelque chose que j'enseigne et que je prône, mais je sais qu'il y a des nuances. Donc euh, moi, j'ai envie que mon audience euh, sache comment toi tu utilises le sommet virtuel pour développer un business. Donc c'est quoi et comment. En partant de zéro, un sommet virtuel peut m'aider à développer mon, mon chiffre d'affaires. Yes. Alors, un sommet dans virtuel, c'est très dans simple. Dans les grandes lignes, hein, dans les grandes lignes. Ouais, ouais, <laughs> dans les grandes lignes, on ne va pas rentrer dans les détails. <laughs> Mais un sommet virtuel, c'est très simple. Donc, il y a le mot virtuel, donc ça se passe en ligne. Un sommet, ça a peut-être ce nom très pompeux. Au début, d'ailleurs, j'ai hésité à l'utiliser. Je me suis dit, un sommet, on n'est pas, c'est pas le, G, le G7, tu sais. <laughs> Mais bon... <laughs> non, mais c'était vraiment l'impression, tu vois. C'est un sommet virtuel. Ok. Ouais. Bon, alors j'ai envie vraiment de, de, de démystifier tout ça. Un sommet virtuel, c'est tout simplement une série de conférences en ligne sur une thématique. Euh, la mienne, du coup, c'est euh, comment aller attirer des clients idéaux en ligne. Donc, je parle euh, aux entrepreneurs du web. Et autour de cette thématique centrale, je vais aller inviter et rassembler un panel d'experts qui lui, chacun, va venir apporter une pierre à l'édifice. Ce que j'aime dans les sommets virtuels, tu l'as compris, c'est cet effet, euh, c est, c est, ça tient une phrase, c'est l'union fait la force, hein, clairement, mais c'est la force du cerveau collectif. C'est-à-dire que moi, demain, je peux donner une masterclass seule et je donne des masterclass parce que c'est comme ça que je vends aussi, euh, mais euh, le sommet virtuel, il a, il, il a pour moi plusieurs rôles, en fait. Donc, un, euh, je rassemble le maximum d'experts pour créer le maximum d'impact pour l'audience, ok. Euh, mais ça me sert à plusieurs niveaux dans mon business. Si on parle vraiment côté business cette fois, euh, pour moi un sommet me sert de freebie, ok, parce que un sommet, dans mon cas, c'est un événement gratuit. Donc il y a bien la notion de freebie, un contenu gratuit que tu offres en échange euh, des coordonnées de la personne. Définition du freebie pour ceux qui savent pas. Donc le sommet virtuel, c'est exactement ce que ça fait. C'est-à-dire que c'est un événement gratuit sur inscription donc pour participer à mon événement tu me laisses à minima euh, ton prénom ton adresse mail ok derrière tu viens assister l'événement donc on te donne énormément de valeur alors les miens sont en live tu peux faire des sommets en, en, en préenregistré aussi les miens sont en live pour la dynamique l'interaction etc parce que j'adore ça mais voilà donc le sommet virtuel il est pour moi c'est un triangle gagnant dans le sens où c'est gagnant pour l'audience parce qu'ils vont avoir au même endroit, pendant la même semaine, une vingtaine d'experts qui vont leur donner vraiment des stratégies concrètes. En tout cas, c'est l'angle d'approche de, de mes sommets à moi. Il faut que ce soit actionnable, il faut que ce soit concret. Et c'est 21 stratégies puissantes et faciles à copier pour attirer tes clients idéaux. Donc, ça, c'est vraiment comme ça que je briefe mes experts. Euh, donc, c'est gagnant pour l'audience. OK? Parce que vraiment, c'est comme si tu avais une série de, de 20 masterclass, il y a même des ateliers, des tables rondes, etc., où tu vas pouvoir mettre en place des choses concrètement. C'est gagnant pour mes invités, parce qu'évidemment, je leur donne une plateforme de communication, une, une plateforme de visibilité que je crée moi-même. Et là, c'est juste génial, parce que moi qui n'aime pas trop les réseaux sociaux, ou en tout cas qui n'est pas ni la régularité, ni l'envie, ni. Voilà, quand on crée un business, ce n'est pas pour se punir non plus. Bien sûr, il faut sortir de sa zone de confort. Bien sûr, je fais tous les jours des choses inconfortables, mais je sais pourquoi je les fais. Et là, je reviens à la boussole du départ. Sachez où vous voulez aller. Ok Mais en même temps, voilà, il y, y a des stratégies qui vont pas te convenir. Ok C'est pour ça que moi, j'en propose plusieurs dans mes sommets. Juste, prends celle qui te convient à toi. Moi, les réseaux sociaux, ça n'a jamais été mon truc et ça l'est toujours pas encore aujourd'hui. <laughs> Donc là, l'idée, c'est de dire, je suis complètement indépendante des algorithmes. Je n'ai pas à poster tous les jours si je n'ai pas envie de poster, ou même trois fois par semaine, ou même une fois par semaine. Vous pouvez aller voir mon compte Insta. Vous mm -hmm. <laughs> verrez ma dernière publication, elle date de peut-être il y a trois semaines. J'essaye ouais. quand même d'être présente en story, là, dernièrement, parce que je prépare la promo de, de mon sommet. Mais voilà, clairement, mon business, il n'a pas grandi grâce à Instagram. Mais si ça t'intéresse, j'ai des experts qui vont te parler de ça. Euh, donc l'idée, c'est ça c'est d'offrir aussi une plateforme de visibilité pour mes intervenants parce que non seulement on mutualise nos expertises, mais on mutualise aussi nos audiences. C'est-à-dire que moi, je vais parler du sommet, toi, Lingen, tu vas parler du sommet, et on va être 20 à parler du sommet et à rassembler une audience grâce à ça. Okay c'est évidemment euh, hyper gagnant pour mon business aussi, parce que bah, moi aussi, je bénéficie de la visibilité, encore plus que mes intervenants. Forcément, je suis l'organisatrice. Donc, euh, soyez organisateur de votre propre événement, c'est un peu le message. Si on vous invite, allez-y! Vraiment, c'est toujours une occasion de prendre la parole et c'est génial. Je viens par exemple aujourd'hui. Pardon, juste, je précise. Typiquement, tu peux démarrer avec zéro liste email parce que les gens se préoccupent de ça. Mais si je crée un sommet, personne va venir. J'ai pas d'audience. Mais justement, c'est ces euh, intervenants qui vont surtout amener euh, de l'audience. Ouais. Ouais. C'est en ça effectivement, Lingen, que c'est hyper puissant les sommets, c'est-à-dire que quand, si tu démarres vraiment, si tu démarres, bah, moi, je l'ai dit, juin 2023, je crée mon premier sommet. J'avais 222 personnes dans ma liste email et encore, pour être tout à fait honnête, une centaine que j'avais rentrée à la main de cartes de visite. Donc, soyons très honnêtes, ça me rassurait juste de voir ce chiffre-là. Mais j'ai démarré à zéro. Au bout de d'un an, pratiquement, j'avais que, malgré mes freebies, etc. Bon, voilà, tu as beau faire le meilleur freebie du monde, si tu n'en parles pas, c'est toujours pareil, il n'y a personne qui va le voir. Donc, toujours pareil, prendre la parole. Ce qui est puissant dans les sommets virtuels, c'est qu'effectivement, tu deviens le catalyseur d'un événement que tu crées, même si tu n'es pas connu, même si tu n'es pas visible. Et, et vraiment, c'est ce que, ce que j'ai fait hein, donc, euh, et c'est ce que mes clients font. Euh, alors, ça peut être pour quelqu'un qui démarre, ça peut être quel pour quelqu'un de plus avancé aussi. C'est ça aussi, c'est que la méthode, elle marche pour tout le monde. Mais je trouve que c'est un accélérateur incroyable pour les personnes qui démarrent, Lingane, et qui, comme moi, se trouvent dans cette situation de comment je fais pour être visible Les réseaux sociaux, ça me saoule. Je n'ai pas envie d'investir dans la pub. C'est trop tôt pour moi. Je n'ai pas de budget à mettre. Je ne sais pas comment faire. Comment je fais et bien, mmh. c'est la force des partenariats, parce qu'un sommet, c'est quand même ça. C'est que chacun de mes intervenants, c'est un partenaire. Et effectivement, ben, j'avais 200 personnes dans ma liste email, mais aucune qualifiée par rapport au business en ligne, hein, clairement. Aucune, en tout cas, qui s'est transformée en client. Et là, je me suis retrouvée pour mon premier événement avec plus de 900 inscrits, donc 900 personnes dans ma liste email. En, et là, c'est juste magique parce qu'à partir du moment où tu ouvres les inscriptions, bah, d'un coup, tu vois wow, le truc exploser. Et là, tout d'un coup, c c pour moi, franchement, c'était magique parce que j'avais tellement galéré. C'était mon talon d'Achille. Hein. C'est-à-dire que Jeff Walker te dit euh, faire un lancement et tu une liste email. Et ben bah, j'étais bloquée parce que je n'avais pas, pas ces 300-500 personnes dans ma liste email qualifiée encore. Donc, bah, j'étais bloquée sur l'étape d'après. Et là, tout d'un coup, bah, ça devient une réalité. En quelques jours comme ça, tu te retrouves avec une liste email qui peut passer de zéro à 1000 personnes hyper qualifiées si tu as bien choisi la thématique de ton sommet, évidemment. Et, et voilà, donc si tu démarres, euh, si tu n'as pas envie de dépendre des réseaux sociaux, si tu n'as pas envie euh, d'investir en publicité, ou si tu fais déjà tout ça et que mmh. tu veux un coup d'accélérateur dans ton business, et bah, va chercher en fait l'audience, ton audience de cœur, chez ceux qui l'ont déjà. Et en okay. fait, c'est en ça que c'est puissant. Et, euh, et là, Lingan, pour, euh, pour reprendre ça, je, moi, j'accompagne un groupe d'entrepreneurs qui vont tous lancer leur sommet là, entre, euh, dans les prochains mois. Et je sais que ça fait peur. Euh, elles ont signé, elles sont là, mais je sais qu'il y a un réel frein de. Mais je ne suis pas connue, je ne suis personne, pourquoi elle accepterait etc. Et ça, c'est un vrai travail en profondeur qu'on fait. C'est OK, tu n'as pas de liste aujourd'hui, mais tu es en train de la créer parce que c'est toi qui orchestre tout ça. C'est toi qui va. Euh, c est, c est, en fait, la personne qui a l'idée et qui la met en œuvre, et eh ben tout d'un coup elle repart. Donc organisateur d'un sommet, ça te donne tout d'un coup euh, de la visibilité, je l'ai dit, mais surtout, surtout, il faut quand même pas oublier parce qu'être vu c'est une chose, mais il faut être vu, entendu et reconnu, ouais. ok ouais, Parce que si t'as pas, en fait. pas. Ouais, ouais. voilà, et... si pas les trois, ça marche pas. Voilà, si t'as pas les trois, ça marche pas. Et là, l'idée, c'est de dire grâce à un sommet virtuel, non seulement je vais aller capter et faire grandir ma liste email mais en plus j'ai un statut euh, d'expert je suis euh, j'ai ouais j'ai vraiment une, une crédibilité une autorité que j'avais pas une semaine avant quoi moi j'ai signé mes premiers clients elle me connaissait pas une semaine avant mais et justement ça, c est, c est euh, je voulais terminer sur ça avant de de terminer l'interview comment on fait pour euh, en faire des clients parce que c'est une chose d'avoir une estimée Tu parlais de freebie donc c'est gratuit. Je dépense du temps, euh, peut-être un peu d'argent, mais surtout euh, du temps et de l'énergie. Euh, comment je génère mes clients après Yes, c'est vrai que j'ai pas été jusqu'au bout, mais je, je disais je vois le sommet comme plusieurs euh, leviers. Donc freebie effectivement, pour moi c'est aussi un pré-lancement et un lancement. Ok, c'est le pré-lancement de mon offre signature parce que dans mon cas au plus précisément, euh, tu viens vivre L'expérience sommet, euh, tu sais que je sais faire des sommets, quoi. Donc, demain, si je te dis fais un sommet toi aussi, tu me fais confiance à 200% parce que tu l'as vécu de l'intérieur. Donc, mon objectif, c'est de te faire vivre la meilleure expérience possible. Donc, c'est un pré-lancement pour mon offre. Mais en soi, c'est aussi un lancement, Lingen, parce que moi, je monétise tous mes sommets et tous mes clientes, toutes mes clientes ou clients monétisent aussi leurs sommets. Donc, tu fais déjà des ventes euh, pendant l'événement, OK Comment Est-ce que tu veux expliquer en deux mots comment pour les gens qui ne connaissent pas Oui, bien sûr. Donc, en fait, bah, là, moi, tu vois, par exemple, je suis, euh, je suis invitée dans un événement qui n'est pas du tout monétisé. Faute très grave, parce que tu l'as dit, organiser un sommet, quand même, c'est du temps, c'est de l'énergie. Euh, mmh. Ça ne se fait pas en claquement de doigts, d'accord Moi, je, je laisse trois mois à mes clientes pour le faire. Donc, en moins de 90 jours, on le fait de manière euh, sereine. Mais c'est du boulot, clairement. Donc, autant maximiser. Et en plus... Quand on parle d'impact aussi, moi, je le vois encore comme un acte de générosité. Je sais qu'on est complètement aligné avec Saningen. C'est que je te propose un événement, il est 100% gratuit. Tu viens, tu prends ce que tu as à apprendre, tu as les replays gratuits pendant une semaine. On est bon. OK Maintenant, si tu cherches à aller plus loin, si euh, tu as connecté avec certains des experts ou que tu vois. Euh, 3, 4, pas forcément les 21, hein, mais 3, 4 stratégies que tu aimerais pousser plus loin et, et pour les mettre en place dans ton business, eh ben, je t'offre la possibilité de prendre un pass VIP. Donc, ce pass VIP, il a deux points centrales. Euh, un, tu as l'accès illimité à toutes les conférences, ce qui veut dire que c'est quand même intense un hein, sommet moi, je fais quand même 21 conférences sur une semaine. Donc, clairement, si tu es entrepreneur, tu n'as pas le temps de venir regarder les 21 conférences. Alors, il y en a qui le font, mais c'est parce qu'ils sont au démarrage. Donc, okay, ils sont au stade de projet. Mais clairement, si tu es entrepreneur comme moi et toi, Lingen, tu n'as pas le temps de passer 20 heures euh, sur une semaine. À moins que tu décides de prendre une semaine de vacances ouais. et de te consacrer qu'à ça. <laughs> mais c'est une réalité. Donc, l'idée, c'est de pouvoir visionner les conférences à ton rythme. Donc ça, le pass VIP te permet de le faire. Et surtout, surtout, tu as un bundle de formation, dans mon cas, un bundle de formation, chaque expert participe, met une formation en ligne qu'il a euh, en catalogue et on se retrouve avec un bundle qui est vendu avec 80, plus de 95 de réduction. Et mmh. ça, c'est aussi un cadeau que je fais euh, aux inscrits, c'est de leur dire, vraiment, tu peux te former aujourd'hui à moindre coût en fait, grâce, grâce à des bundles. Je ne suis pas la seule à faire des bundles, c'est assez répandu aujourd'hui. Mais c'est une opportunité en or de se former à moins de 150 ou moins de 200 euros avec 20 experts différents. Et encore une fois, tu n'es pas obligé de tout consommer, prends juste mmh. ce dont tu as besoin. Et et voilà. Et moi, c'est une manière pour moi aussi de monétiser. Je rétribue évidemment une commission à mes intervenants puisqu'ils ont mis de la valeur dans le pass VIP. Encore une fois, c'est un travail d'équipe. Et, mmh. et voilà, donc, euh, donc un okay. sommet, ça fonctionne comme ça dans les grandes lignes. Super, super. Merci beaucoup, Nassima, pour euh, bah, toutes ces précisions, nous avoir partagé ton expertise. Justement, euh, avant de terminer, euh, tu organises un, un sommet. Est-ce que tu veux nous en parler euh, en quelques mots Et puis, on mettra le lien en description pour les personnes qui sont intéressées. Yes. Alors, euh, j'organise plusieurs fois par an le sommet des coachs influents. Donc,. Euh... 2024, c'est quand même quatre éditions. 2025, nous verrons bien. Mais en tout cas, voilà, j'organise quand même régulièrement des sommets. Le prochain arrive justement du 18 au 22 novembre 2024. Je sais que pour certains d'entre vous, vous regarderez cette, émi cette ah. émission ou écouterez ce podcast, ça sera déjà passé. Mais en tous les cas, le lien qu'on vous mettra, il vous, il pourra euh, vous alerter de toutes les prochaines éditions qu'il y aura. Donc, n'hésitez pas à, à rentrer votre mail. Euh, je j'avertis voilà, toujours euh, les, les personnes qui s'inscrivent à ma newsletter. Et donc là, l'idée, euh, je l'ai dit tout à l'heure, c'est j'ai réuni cette fois 24 experts euh, autour de 21 euh, lives, donc conférences, ateliers, table ronde, pour justement partager 21 stratégies puissantes et faciles à copier pour attirer tes clients idéaux. Je précise en ligne, mais même si tu n'es pas en ligne, ça marche aussi. Et l'idée, c'est de faire ça sans se sacrifier. De vraiment trouver un équilibre pro-perso, ok? Parce qu'on n'est pas obligé de se sacrifier pour avoir un business qui marche. En cinq jours, on vous donne tout ça en cinq jours et ça sera des stratégies que tu peux appliquer même si tu as zéro budget, ok? Donc il y a vraiment des choses très simples à faire et, euh, et je fais ça grâce euh, encore une fois à un panel d'experts euh, juste euh, génial. J'arrive toujours à, voilà, à convaincre euh, ou en tout cas à, à solliciter des personnes qui ont beaucoup, beaucoup de valeur à apporter. Et. Euh, et je me réjouis. C'est toujours un, un très grand plaisir pour moi. Bah, bravo pour ça. Euh, on met le lien en description. Et puis, bah, je te laisse le mot de la fin, moi Avec quoi tu aimerais que les gens euh, repartent de cette euh, interview Croyez en vous. Enfin, crois en toi. Je vais tutoyer puisque je tutoie. Donc, je vais parler personnellement euh, à la personne qui nous écoute là. C'est crois en toi. Accepte euh, de tâtonner parfois. Accepte que euh, la réussite, elle ne se fait pas en un jour. Euh, moi, je parle de mon parcours Entrepreneurial qui a ouais. deux ans, ouais, deux ans, deux ans et demi maintenant, et ben la première année, franchement, elle a été super dure. Et toi, si ça fait deux ans que tu es lancé, ben, essaye de revisiter ce que tu as déjà fait parce que tu as forcément avancé, tu as forcément euh, eu des succès, et chaque échec te rapproche. De la réussite, mais la réussite, elle doit être définie selon tes propres termes. C'est quoi la réussite pour moi Et ça, c'est une question que je pose tout le temps. C'est-à-dire que même pour un sommet, tu vois, Lingen, je demande à mes clientes qu'est-ce qui ferait que ton sommet sera un succès Et on aura tous une définition différente. Donc, première chose, vraiment, euh, pose-toi euh, la définition de ton succès idéal. À quel moment tu pourras dire que, que ton business, voilà, il te, il te donne plein épanouissement et surtout, revisite ce que tu as déjà fait, parce que ça t'a forcément apporté des choses. Et, et, et n'arrête jamais, en fait. N'arrête jamais, mets en place des choses. Va solliciter des partenaires, des collaborateurs, si tu veux, mais surtout ne reste pas seul. Et ça, c'est vraiment une clé. Ne reste pas seul. Voilà. Merci beaucoup, Nassima, pour euh, bah, tout ce que tu as apporté. Merci pour euh, ouais, l'inspiration de ton parcours. Et euh, ouais, encore une fois, si vous voulez en savoir plus sur Nassima, on met le lien vers le. Euh, ton sommet juste en dessous et bravo bravo pour tout. Je te dis à très bientôt et puis bah nous on, on se reverra pour des sommets en tout cas euh, prochainement. Yes avec grand plaisir Lingan merci beaucoup c'était un plaisir à bientôt. Avec plaisir.